Bon, bonjour à tous. Donc, cette conférence n'était pas prévue à la base, mais on m'a demandé hier, donc je l'ai préparée en 6-7 heures. Donc la première conférence, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà vue au niveau du laboratoire Unix et sécurité, puisque je l'ai déjà faite. Elle est en version raccourcie, puisqu'on n'est pas là pour faire de la documentation technique comme on l'avait fait dans le labo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc, je suis apprenti du CNRS, je travaille au laboratoire Charles Fabry de l'Institut Optique à Palaiseau. Donc je m'occupe des systèmes Unix, de la sécurité et du réseau globalement. On fonctionne globalement mixte avec 60% d'Unix, 40% de Windows. La plupart des services Unix ce sont les services web, le réseau, etc. Donc au niveau des thématiques, je vais commencer à présenter OpenBSD, puisqu'il y en a sûrement qui ne connaissent pas OpenBSD, donc je vais y aller très rapidement. Ensuite, donc, on parlera directement de packet filter, avec quelques commandes qui permettent de l'administrer. Ces concepts, donc au niveau du filtrage, du NAT et de la redirection de port, de son système de login qui s'appelle le PFLog, qui est un outil extrêmement pratique lorsque vous administrez un pare-feu. Et quelques petits points où vous pourrez aller plus loin avec ce genre de pare-feu libre. Donc, par exemple, avec un firewall redondé. Je suis désolé puisque l'écran est un peu bas, je ne savais pas qu'il était aussi bas, du coup, c'est pas forcément évident de voir ce qu'il y a en bas. Donc, OpenBSD, ça a été créé en 1995 par Théo Derat. Donc, il l'a créé suite à un désaccord avec les fondateurs de NetBSD, concernant notamment la liberté sur certains règles, parce que c'est souvent ce qui cause des problèmes dans la communauté. Donc on peut dire que Derat, en gros, au niveau des BSD, c'est un peu le même principe que les puristes chez Debian. Donc c'est un dérivé de BSD 4.4 qui date des années 80, 85, quelque chose comme ça. Les axes majeurs de la distribution OpenBSD sont la sécurité. Donc là, c'est ce qu'ils privilégient dans leur développement. Tout le développement est soi-disant sécurisé. Ils ont très peu de failles. Il y en a eu une les 6 dernières années. Attention, donc ces failles, par contre, c'est au niveau de la distribution telle qu'elle est fournie et pas celle qu'on la trouve dans les packages qui sont dans les repositories. Ça, c'est des bonnes toutes responsabilités. La seconde attention, c'est la cryptographie, puisque les développeurs d'OpenBSD sont les développeurs d'OpenSSH. Une partie d'entre eux a également développé OpenOSPF et OpenBSD. Les parties respect et la technologie IPsec. C'est un système qui est porté sur plusieurs architectures. Donc, si vous avez des vieux systèmes Spark Sun, vous pourrez faire tourner sans problème OpenBSD dans ses versions les plus récentes. Il y a une vingtaine d'architectures de processeurs différentes. Vous pouvez le faire tourner sur des boards. C'est assez porté. Par contre, le Raspberry Pi n'est pas supporté parce qu'ils n'aiment pas de propriétaire. Au niveau du cycle de développement, on a une nouvelle version tous les 6 mois. Un mois avant le release, il y a un freeze complet du développement pour finaliser la distribution. Il faut savoir que quand vous upgradez un OpenBSD, il faut absolument upgrader de la version précédente pour éviter d'avoir des problèmes. Packet filter, donc la partie qui nous intéresse maintenant. Donc au niveau du support qui fait du filtrage, que ce soit en IPv4 ou en IPv6, avec et sans état de paquet. Il gère la QoS avec la technologie AltQ qu'on retrouve dans tous les packet filters. Sur les anciens, si vous avez des anciens BSD, par contre, il faudra activer le module. Il gère également le NAT, le PAT et la redirection d'adresse et de port. Donc pour faire du proxy transparent, ça peut être pas mal. Il possède un système de tables dynamiques. Donc avec ces tables, j'expliquerai le concept plus tard, vous pourrez faire par exemple des portails captifs. Voilà. Donc la commande principale, en gros sur PF, il y a très peu de commandes, c'est PFCTL. Sur les BSD, ils ont tendance à faire une commande pour un ensemble correspondant. Par exemple, pour prendre un exemple concret, ifconfig gère toute la partie réseau hormis un. Donc création de tunnel, création de bridge, etc. Donc les commandes classiques de PF, donc désactiver, l'activer, forcément. On peut charger un fichier de règles. L'avantage, c'est qu'on a une option qui nous permet de vérifier les règles avant de les charger en mémoire, ce qui évite un incident, genre couper son pont, ça n'a pas très haut. Ce
qui peut être dramatique dans le cadre d'un routeur en production qui est en sortie de site, par exemple. On dispose également de moniteurs. Donc les moniteurs, c'est une partie très importante dans vos firewalls, c'est pour vérifier ce qui se passe. Donc on peut lister les règles qui sont chargées en mémoire, c'est pratique pour voir si ce qu'on a fait a été bien pris en compte et de quelle façon par le kernel. On a une partie statistique en temps réel qui permet de voir les différents rates des paquets, des erreurs, etc. Au niveau de PF. Les timeouts aussi, puisqu'il y a une gestion des timeouts, TCP, etc. pour couper les connexions avec État. Puis on a une commande pour tout voir, mais c'est pas très pratique quand on a beaucoup de règles. Il faut savoir que PF est implémenté directement au niveau de chaque driver réseau, donc il est très 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 proche du matériel. Il est intégré dès qu'il y a un nouveau driver. Ensuite, j'ai oublié de le préciser avant, PF en fait découle d'un problème de licence qu'il y avait eu avec l'ancien firewall des BSD, IP firewall. Ce firewall-là en fait n'était pas redistribuable en termes de sources lorsqu'elles étaient modifiées. Du coup, ben, ils ont tout reconnu. Et c'est une version beaucoup plus simple que IP firewall. Pour ceux qui connaissent IP firewall, c'était l'ancien firewall des Mac OS X, notamment, puisque c'est un BSD. Donc voici une sortie d'écran. Donc là c'est sur un de mes routeurs au boulot, j'ai pris une capture avec les statistiques PF actuelles. Donc là il y avait à peu près 200 clients connectés sur le routeur. Donc on peut voir le nombre de recherches effectuées dans vos règles, le nombre d'insertions et de suppressions dans l'état d'état, puis l'ensemble d'erreurs qui sont possibles. Donc par exemple la congestion, les problèmes de fragments, etc. Au niveau technique, donc comment s'écrit une règle packet filter? Donc voilà, c'est un peu long. Il y a beaucoup de choses, donc on va détailler rapidement. Donc on peut passer ou bloquer chaque chose, en entrée ou en sortie, c'est logique. On peut également loguer le paquet, donc ça je reviendrai dessus après. Quick, ça correspond comme les ASL Cisco en fait. Quand vous faites une ASL Cisco, ça sort directement. En fait, Quick, ça fait le même effet. C'est-à-dire, dès qu'il match, il sort du firewall, il ne va pas traiter la règle d'après. C'est celle-là qui fait froid. L'interface, si vous voulez spécifier rigoureusement les interfaces réseau ou filtrer. Le protocole, donc IPv4 ou IPv6. Voilà. Ensuite, les protocoles de couche supérieure, TCP, UDP, UCMP, UCMP6, etc. On peut mettre même des protocoles qui n'existent pas en stipulant un chiffre à la place. Enfin, pas qu'ils n'existent pas, mais disons qu'ils ne soient pas plutôt déclarés. Donc, ensuite, l'adresse de source destination, les ports, bien transcendant, les flags TCP, et différentes façons de gérer les statuts. Donc, vous pouvez faire soit sans gérer les statuts, ce qui peut être un peu lourd sur un routeur, quand il y a beaucoup de connexions TCP qui passent, soit en jouant avec les modular states ou les autres, le type classique quand vous ne mettez pas d'options. Il y a aussi un type très pratique dans PF, bon, il faut l'utiliser dans des cas bien particuliers, c'est le synproxy en fait, qui permet de faire un proxy de vos connexions TCP. C'est-à-dire que en fait, les gens qui font une connexion TCP vont la faire avec l'OpenBSD, enfin le routeur, et lui ira refaire une connexion TCP avec le client distant. Donc dans certains cas de sécurité, ça peut être pas mal. Un petit exemple de règle rapidement, donc, en gros une règle qui autorise le trafic sur BNX0. Donc sur BSD, chaque driver fait foi pour le nom d'interface. Donc BNX c'est des CardBroadcom en TCP depuis une adresse vers tous les ports, avec n'importe quel port vers une adresse en SSH, avec certains flags SSH, TCP pardon. Voilà. Et en dessous une règle par défaut de blocage instantané. Ensuite là on a une autre règle un peu différente, qui autorise deux types de protocoles. D'ailleurs, elle n'est même pas rigoureuse, mais je m'excuse, j'aurais dû mettre UDP, pas ICMP, il y a une erreur, puisque j'ai indiqué des ports. Ouais. On peut aussi désactiver le filtrage sur une interface, par exemple, ça peut être rigoureux, pas mal du tout, de retirer le paquet de filter des interfaces de loopback. Généralement, c'est sécurisé. Il y a une autre option qui est très intéressante, c'est l'anti-spoofing. L'anti-spoofing, c'est quand vous avez plusieurs réseaux connectés, notamment par exemple des réseaux clients d'un côté et le WAN de l'autre, enfin, ou vos serveurs, etc. Ça permet de vérifier la légitimité d'une connexion, enfin pas d'une connexion, d'un paquet. C'est-à-dire que par rapport à la table de routage du routeur et à ses IP sur les interfaces, il va vérifier que le paquet qui rentre devrait vraiment rentrer par cette interface.
ce qui empêche les gens qui envoient une requête, par exemple avec une IP du WAN, d'envoyer une requête, ce type de requête depuis le LAN. Donc voilà ce que je viens de dire. Donc ça s'écrit très rapidement, tispouf, on peut loguer et sortir directement. Je passe vite fait, j'ai pas beaucoup de temps. Donc ensuite, au niveau de l'administration, l'avantage de Packet Filter, c'est qu'il n'est pas comme des ACL Cisco, où vous faites une ligne pour une adresse IP, un réseau, etc. C'est super lourd, c'est pareil avec IP Table. Sur PF, c'est un fichier de conf qui gère votre configuration de firewall. Vous pouvez backuper sans problème ce fichier de conf, vu que c'est un fichier plat. Donc vous pouvez faire des listes. Donc des listes, c'est un ensemble de données du même type. Donc ça peut être des IP, des réseaux, vous pouvez combiner IP et réseau, des bords. Par exemple, là, un peu plus complexe, on dit tous les ports inférieurs à 24, les ports entre 10 et 21, et un ensemble de protocoles. La deuxième chose importante, c'est les macros. Donc les macros, ça permet de spécifier avec le nom que vous souhaitez ce à quoi correspond une donnée. Donc par exemple, XTIF, c'est l'interface de sortie BN0, SMTP port, c'est 25, web server, l'adresse IP du serveur, etc. Vous pouvez faire des macro listes, sans problème. Vous pouvez faire des inclusions un peu plus complexes, je suis désolé pour ceux qui sont au fond, où vous pouvez inclure des listes dans des listes, et des macros dans des macros. La deuxième partie la plus intéressante et auquel il faut penser quand vous avez beaucoup beaucoup de règles, c'est les tables. Les tables, ça ne comporte que des adresses IPv6 et IPv4. Donc ça améliore nettement les performances de recherche, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que quand vous passez dans un firewall, vous analysez tous les mots de la règle. Quand c'est une liste, c'est-à-dire qu'il va la dérouler, si vous avez 10 IP, il va analyser 10 fois toute la règle. Avec les tables, c'est différent. Ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver sur la liste d'IP et il va analyser toutes les IP de la liste. Et après, il va remonter et faire la suite de la règle. Donc quand vous faites des tables, vous améliorez forcément les performances puisque vous n'analysez pas complètement la requête X fois. Il y a également du dynamisme. Donc les tables peuvent être peuplées, pas forcément dans le fichier de conf, mais avec une commande. Admettons que vous ayez un IPS sur votre routeur, il y a une attaque DDoS en cours, ou quoi que ce soit, ou une attaque SSH en brute force. Hop, une règle avec PFCTL, et vous lancez l'adresse IP dans la règle de blocage. C'est bloqué, c'est fini. Bien sûr, il faut faire attention, il faut positif. La syntaxe, elle est très simple. Donc table, le nom de la table avec donc, les redirections, éventuellement un attribut et l'ensemble de données. Les attributs, ça peut être constant pour nous modifier, persistant si vous les gardez en mémoire à chaque rechargement de règle. Ça, j'ai une idée. Voilà un exemple de peuplement d'une table, tout simplement. Donc le nom de la table, ajouter, supprimer, montrer la table, ça peut être bien. La seconde partie intéressante d'un routeur, c'est le NAT pour IPv4. Donc il y a plusieurs types de NAT qui sont supportés, tous en fait. Donc, le premier, c'est le PAT. Pour faire du NAT, c'est très simple, on rajoute juste, on fait comme une règle de filtrage, sauf qu'elle est en sortie, donc out. Et on met NAT tout et l'interface. Si vous mettez l'interface, en fait, si vous changez l'IP de l'interface, du coup, ça va suivre l'IP, ou l'ensemble d'IP qu'il y a sur l'interface. Le NAT 1.1, assez peu utilisé, généralement. Le NAT avec des pools d'adresse. Et enfin, la redirection de port. Donc ça, c'est si vous avez du NAT sur vos serveurs et que vous voulez rentrer dans le réseau depuis Internet avec un port particulier. Les bonnes pratiques pour un firewall, surtout par Packet Filter. Première chose, c'est qu'il faut factoriser vos règles. Si vous voyez deux règles qui sont quasiment identiques, essayez de voir si vous ne pouvez pas, par exemple, combiner les IP en une liste ou une table, etc. Plus vous accélérez à la recherche, plus votre débit sera important. Si jamais votre réseau est très sollicité, et vous gagnerez en latence. Vous pourrez ensuite mettre de l'ordre facilement, sachant que vous lui rajoutez une IP, par exemple, qui accède à un serveur, sachant que vous êtes déjà liste IP, vous le rajoutez juste dans la liste. Pas besoin de réécrire une règle complexe. Donc, ça va être les macros et les tables. Ensuite, il y a des options. Ah oui, donc, alors, ça, c'est l'ordre en fait recommandé pour écrire les règles en fichier. Donc, les macros, les options, la normalisation. Ça, je vous invite à regarder la documentation. La QoS, les translations, donc notre direction, le filtrage, et c'est tout. Le PFLog, qu'est-ce que c'est? C'est une interface virtuelle. Donc, sur OpenBSD et sur tous les BSD, en fait, il y a quelque chose de très pratique, c'est qu'il y a beaucoup d'interfaces virtuelles possibles. Le PFLog étant une interface qui permet d'afficher les paquets que vous avez décidé de loguer. Donc, par exemple,
une bonne pratique si vous partez, ce qu'il faut faire, une politique de blocage par défaut, c'est que vous bloquez tout et vous le loguez. Comme ça, quand quelqu'un vous dit « j'arrive pas à accéder à tel serveur », vous signifiez avec TCP DOM sur le pflog, du coup vous voyez son trafic, s'il est bloqué ou pas. Si vous ne voyez pas, bah, c'est que c'est pas IP et que ça passe, et qu'il y a autre chose. Voilà. Pour aller plus loin, donc l'avantage des BSD, c'est qu'on a des technologies très sympathiques pour faire des firewalls redondés. CAP, si vous connaissez VRRP, c'est la même chose quasiment. Peut-être même en mieux. Mais ça, c'est n'engage que moi. Donc, CARP, c'est un adressage IP virtuel avec une ou plusieurs IP virtuelles, IPv4 ou IPv6, ou les deux. On peut faire du master-slave, comme on le rencontre régulièrement, ou du load balancing, c'est-à-dire que l'IP, elle est sur plusieurs équipements en même temps. Vous pouvez mettre, par exemple, 4 routeurs en parallèle avec la même adresse IP. Donc, c'est une interface réseau virtuel, comme je le disais. Les règles d'or, donc c'est les attributs principaux. Le Virtual Host ID, la priorité pour savoir quand vous faites du master slave qui sera le master, un mot de passe haché en MD5, et enfin ce que BSD a rajouté, le demote, qui est en fait un attribut dans le protocole qui est incrémenté lorsqu'il y a une erreur. Par exemple, une interface réseau tombe en panne, sur l'autre interface, bah, il y a déjà des paquets cartes qui partent. Il incrémente le demote, c'est envoyé, l'autre le voit, il dit « Ah, ton demote est supérieur, je passe en master, t'as un problème technique. » Voilà, donc après ça, c'est comment créer une interface CARP sur OpenBSD, avec un peu de configuration. Bon, à chaque fois, une interface virtuelle se lève sur une autre interface virtuelle ou physique, en l'occurrence, là, c'est physique, EM pour les driver Intel. Voilà, donc là, on met un mot de passe. Le protocole CARP est par défaut multicast, ce qui peut poser des problèmes de sécurité dans certains réseaux. Vous pouvez le spécifier en unicast avec le CARP peer et éventuellement l'encapsuler dans une couche IPsec si vraiment c'est sensible. Voilà. Le CARP demote, donc même si c'est géré par le système, vous pouvez le gérer avec d'autres services, ce qui vous permet sur d'autres erreurs, peut-être sur des couches niveau 7 qui seraient dysfonctionnelles, d'interagir avec le CARP demote. La deuxième chose qui est très importante, enfin, en termes de haute disponibilité, là surtout, c'est le PFSync. Le PFSync, c'est une synchronisation des états du firewall entre les firewalls. Ce qui fait que si jamais il y a un firewall qui reprend la main sur l'autre, les états qui sont enregistrés dans l'étape du premier seront dans le deuxième, et du coup les connexions ne sont pas coupées. Hormis éventuellement certaines, ça peut arriver au moment du dysfonctionnement. C'est pareil, c'est une interface virtuelle, on la met sur une interface physique, VLAN ou ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas l'encapsuler dans IPsec, parce que de toute façon, ce n'est pas de l'IP. C'est un protocole de niveau 3, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur OpenBSD et Packet Filter éventuellement? Je suis allé extrêmement vite parce qu'il y a un deuxième truc derrière et je suis chante. Il n'y a pas d'équivalent dans le Filter pour le balancing et la redondance? Tu as UCARP, qui est la couche CARP en fait en userland, mais en fait, avant, j'avais des routeurs Debian. Et contrairement au BSD, non, c'est clairement inférieur. Sinon, si tu veux faire du load balancing, tu as le BS. Pour toutes les techniques de factorisation, genre macro, inclusion, ce genre de choses, il faut préciser qu'on utilise NetFilter. En général, on pilote via IPTAP, ce qui n'est pas obligatoire. IPTAP, c'est juste interface, c'est pas le firewall. Mais quand on pilote par IPTAP, en général, on bénéficie de toutes les possibilités du shell dans ce domaine. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, de mettre du code particulier. On a des trucs comme les variables, les tableaux, etc. On les a déjà dans le shell. Donc ça me paraît personnellement meilleur parce que ça ne fait pas un nouveau langage à apprendre et une nouvelle syntaxe à apprendre. Ça va. D'autres questions? Éventuellement, je ne sais pas. Moi, du coup, je passe à la partie.